des parmi nous. Départ validé pour cette cinquième épreuve, le prix de preuve avec les apprentis de la jockey et des juments âgés de 5 ans sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec notamment le numéro 6, Avant-Garde, qui a pris dessus de la direction des opérations devant le numéro 5, Aria Duboli, qui vient se placer en deuxième position. Zalé Derou, le numéro 2, venant ensuite en troisième position. Ensuite, nous avons Afina, le numéro 7, avec Abella Duroc, l'as qui est côté corde. Le 4 a été disqualifié. Le 4 est disqualifié. Les concurrentes qui entament le tournant après les tribunes, avec Avant-Garde, le numéro 6, qui est toujours aux avant-postes, devant Aria. Aria Duboli, le numéro 5, qui est en deuxième position. Azalé Derou, le numéro 2, venant ensuite en troisième position. Ensuite, sur une même ligne, nous avons Abella Duroc, l'as, avec le numéro 7. Afina, qui est en cinquième position et qui est située à l'extérieur. Ensuite, nous avons le numéro 13, Alizea Desbordes, qui vient ensuite, qui est située plutôt côté corde pour entamer la ligne opposée. On note une bonne progression d'Apple Speed. Le numéro 11, qui est en pleine piste, qui vient se placer maintenant en deuxième position, pratiquement à mi-ligne opposée. On poursuit donc son effort avec Apple Speed, le numéro 11 qui est venu s'installer en tête et qui s'est rabattu le long de la corde devant Avant-Garde, le numéro 6 qui est en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons un peu plus loin Aria Duboli, le numéro 5 qui vient ensuite et qui est côté corde, qui est en troisième position pour entamer à présent le tournant. Ensuite, nous avons également à l'extérieur le numéro 2, Azalé Derou, qui vient ensuite. Les concurrents qui sont au bout de ligne opposée qui entament donc le tournant avec toujours aux avant-postes et situé plutôt côté corde, le numéro 11, Apple Speed, avec à l'extérieur Authentic Miss qui est venu se placer maintenant eh bien, en tête du peloton et qui va tenter de se rabattre eh bien, côté corde, Aude de Touraine. Le numéro 8 s'est rapproché également pour se placer maintenant en deuxième position. On vient de boucler le tour. On va passer une nouvelle fois devant les tribunes. On poursuit son effort à l'extérieur avec Aude de Touraine, le numéro 8 qui est venu se placer aux côtés d'Authentic Miss, le numéro 15 qui est côté corde en deuxième position. Ensuite, sur une même ligne, nous retrouvons Apple Speed, le 11 qui est côté corde, avec le numéro 2 Azalé Derou qui est en quatrième position à l'extérieur, suivi également par Avant-Garde, le numéro 6 qui est en compagnie de African Girl, le 14 qui est à l'extérieur. Ensuite, sur une même ligne, nous avons Afina avec le numéro 5 Aria Duboli qui est côté corde. Les concurrentes qui entament une nouvelle fois le tournant après les tribunes avec Aude de Touraine, le 8 toujours aux avant-postes devant Authentic Miss, le 15 qui est en deuxième position à l'extérieur, Azalé Derou, le numéro 2 est en troisième, quatrième position aux côtés également d'Apple Speed, le numéro 11 qui vient ensuite, suivi par Avant-Garde, le numéro 6 qui est en cinquième position à côté corde, avec également African Girl, le numéro 14 qui est à l'extérieur, alors qu'on se rapproche à l'extérieur avec le numéro 12 Avatix qui attaque en pleine piste et qui est venu se placer maintenant en troisième position. Les concurrentes qui sont maintenant mis à ligne opposée avec Aude de Touraine, le numéro 8 qui est toujours aux avant-postes. On poursuit son effort à l'extérieur avec Avatix, le numéro 12 qui est venu se placer en deuxième, troisième position aux côtés d'Apple Speed, le numéro 11 qui est côté corde. Ensuite, nous retrouvons une nouvelle fois Avant-Garde, le numéro 6 qui est à la corde, avec également Authentic Miss, le numéro 15, avec tout à l'extérieur Azalé Derou, le numéro 2 qui vient ensuite et qui a pris le tournant en troisième épaisseur, tout comme d'ailleurs African Girl, le 14 en pleine piste. Les concurrentes qui vont sortir dans quelques instants du tournant, Aude de Touraine, le numéro 8 qui est toujours aux avant-postes. On se déporte à l'extérieur avec Apple Speed, le numéro 11 qui va attaquer. On va attaquer également avec Avatix, le numéro 12 qui est en pleine piste, qui est en troisième position. On attaque côté corde avec Avant-Garde qui a trouvé le passage et qui vient se placer maintenant en deuxième position. Alors qu'ensuite, nous avons également tout à l'extérieur le numéro 15, Authentic Miss. Nous sommes maintenant à un peu plus de 50 mètres du poteau final avec Avant-Garde, le numéro 6 qui va remporter cette épreuve côté corde devant le numéro 11, Apple Speed, et le numéro 5, Aria Duboli, qui terminera troisième devant le numéro 12, Avatixa, qui terminera quatrième.